Si le battement d'aile d'un papillon quelque part au Cambodge déclenche sur un autre continent le plus violent des orages, le choix de quelques-uns dans un bureau. Occidental bouleverse des millions de destins, surtout si le bureau est ovale. Il n'y a que l'ours blanc qui s'étonne que sa banquise fonde. Ça ne surprend plus personne de notre côté du monde. Quand le financier s'enrhume, ce sont les ouvriers qui toussent. C'est très loin la couche d'ozone, mais c'est d'ici qu'on la perce. C'est l'effet papillon. Petite cause, grande conséquence. Pourtant jolie comme expression. Petite chose, dégâts immenses. Qu'on l'appelle retour de flamme ou théorie des dominos, un murmure devient vacarme, comme dit le proverbe à propos. Si au soleil tu t'endors de biafine, tu t'enduiras. Si tu mets une claque au videur, courir, très vite tu devras. Si on se gave au resto, c'est un fait, nous grossirons. Mais ça c'est l'effet cachalot. Revenons à nos moutons, à nos papillons. Un hôtel, un après-midi, aventure extra-conjugale, puis le coup de boule de son mari. Alors, si ton nez te fait mal, papillon, c'est normal, fallait pas te faire choper. Si par contre t'as mal au front, ça veut dire que c'est toi le mari trompé.